Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, celle-ci a pour titre « Amour, suggestion et manipulation ». Rien à voir avec une nouvelle série, je vous rassure. Là, je prendrai l'amour dans sa globalité. L'amour que l'on peut éprouver pour un animal, dans un couple, en amitié... un amour filial, un amour maternel, bref, l'amour tel qu'on peut le ressentir, c'est-à-dire quand on a un attachement très fort envers une personne. Pour le mot manipulation, il ne faudra pas voir la manipulation dans sa façon consciente. Dans cette vidéo, on parlera de la suggestion qui amène une manipulation, mais toujours de façon inconsciente. Pourquoi ? Parce qu'on aime une personne profondément, qu'on s'inquiète pour elle, c'est souvent dans ces cas-là, c'est souvent dans l'inquiétude. On s'inquiète pour elle et donc on a besoin qu'elle soit, je dirais, un peu à notre image. Je vais détailler ça plus tard, mais... c'est pour vous dire qu'en tout cas, cette vidéo porte sur l'amour global et la manipulation inconsciente via la suggestion. Il était important pour moi de faire cette vidéo parce que c'est quelque chose que l'on vit quotidiennement, que ce soit nous qui le fassions ou que ce soit une autre personne. Alors, j'ai pas fait de plan préétabli. Ce que j'aimerais avant tout vous dire et vous expliquer... c'est qu'on ne peut pas en vouloir à une personne de s'inquiéter pour nous. Mais on peut lui expliquer que, enfin, qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter pour nous. Parce que cette personne-là, par ses suggestions de vie, par exemple, vous avez envie de lâcher votre emploi pour faire une formation et commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, vous aurez certainement soit votre mère ou votre mari, par exemple, qui va vous dire que vaut mieux faire comme ci, comme ça, passer plutôt par ce chemin-là, etc. Et en fait, c'est de la suggestion qui va inconsciemment vous manipuler et changer votre instinct premier. Alors parfois, c'est toujours très bon, parce qu'il est bon d'écouter les conseils avisés de notre entourage. C'est comme ça aussi qu'on peut avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande et puis avoir un peu plus de portes en face de nous pour avoir effectivement plusieurs chemins alors qu'à la base on n'en avait qu'un. Mais là, je prendrai le cas où vous êtes certain de votre décision. Vous savez que c'est ça. C'est viscéral, il y a quelque chose qui vous pousse à emprunter ce chemin-là. Eh bien, la personne va souvent vous faire vouloir changer de chemin parce qu'elle s'inquiète pour vous. Parce qu'elle va vous dire que, attention, vous allez manquer d'argent. Attention, vous allez lâcher des collègues qui sont super sympas. Vous ne savez pas ce que vous allez retrouver après. Donc en fait, il y a toujours cette peur de l'inconnu de la part de la personne qui aime envers la personne qui est aimée. Et du coup, le chemin va être modifié. Donc, en prenant cet exemple-là, vous allez entamer un nouveau chemin qui n'était pas spécialement celui que vous aviez décidé. Dans ce cas-là, vous avez été manipulé. Mais, je le répète, de façon inconsciente. Parce que la personne se sera dit, c'est merveilleux, elle m'a écouté, je sais que sur ce chemin-là, elle sera bien. Or, comme je le disais en premier, cette personne-là, en fait, n'y pourra rien. Qu'elle vous ait mis sur ce chemin-là, c'est une chose, alors que vous auriez préféré l'autre chemin. Vous allez emprunter le chemin A, certainement que l'univers va vous faire dévier vers le chemin B, c'est-à-dire celui que instinctivement vous auriez pris parce que vous sentiez
au niveau de votre intuition, vous avez l'intuition que c'était le bon chemin pour vous. Mais vous avez choisi le premier parce qu'on vous l'a tellement bien conseillé que, bon, vous avez tout simplement mis de côté votre intuition. Or, effectivement, l'univers, le destin, souvent, nous replace constamment sur le chemin que l'on doit suivre. Donc la personne, elle n'y pourra rien. Elle vous a certainement placé sur ce chemin, elle est contente, mais vous allez certainement dévier, comme je vous le disais. Pourquoi elle n'y pourra rien? Parce que cette personne-là fait partie de votre vie, mais elle n'est pas votre vie. Par exemple, je vais prendre des parents qui s'inquiètent pour leur enfant parce que leur enfant a choisi telle étude et pas celle que eux avaient conseillée. Eh bien, ce n'est pas aider leur fils, on va dire que c'est un fils, ce n'est pas aider leur fils que de vouloir créer sa vie à sa place. Ce n'est pas parce que c'est leur enfant que c'est leur vie. En fait, ils n'ont été que 50% de ce qui le constitue physiquement. Mais son âme, qui habite cette enveloppe faite de 50% de l'un et de l'autre, est indépendante, libre de faire ce qu'elle veut. Chaque âme a décidé d'expérimenter la vie sur Terre parce que chaque âme avait quelque chose à y faire et a d'ailleurs quelque chose à y faire. Et ces âmes-là ne sont pas dépendantes des âmes des parents. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre pour des parents. De se dire que il faut donner la liberté à l'enfant, lui faire confiance, quoi qu'il choisisse. Être là derrière, parce que c'est un peu un rôle comme dans une meute de loups, où on vit en famille, du début à la fin, on vit en famille. Mais jamais aucun loup ne prendra la place d'un autre, ne vivra quelque chose à la place d'un autre. S'il y en a un qui peut plus se nourrir, les autres vont lui apporter quelques nourritures, mais le pousseront toujours, en tout cas, à essayer de se remettre sur place. On l'a vu dans plusieurs reportages et documentaires animaliers, il n'y a pas que les loups qui vivent en famille d'ailleurs. Mais nous, en ce qui nous concerne en tant qu'humains, on a cette faculté de penser, cette faculté de s'élever spirituellement et d'aller dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, tout en étant sur notre plan matériel. Donc il faut que les parents arrivent à se détacher de cette part de protection, de surprotection, d'amour extrêmement développé pour laisser aller leur enfant. Parce qu'ils ne pourront rien changer au destin de leur fils qui a choisi de faire acteur plutôt qu'avocat, par exemple. Un chemin de vie est tout à fait personnel. Mais sur notre chemin de vie, on va en croiser des autres. On va croiser celui de la personne qu'on aime. On va croiser celui de notre meilleur ami. On va croiser celui... De personnes qui font partie de notre famille à la base et qui sont avec nous sur notre chemin aussi, voilà, jusqu'à la fin, comme un frère ou une sœur par exemple. On va être sur le chemin de vie de nos parents qui nous ont permis de venir au monde physiquement. Mais tous ces chemins doivent s'accompagner et se respecter, et non pas s'enchaîner et se manipuler. Ce n'est pas aimer une personne que de lui mettre une chaîne et de lui conseiller sa vie. Au contraire, comme le dit Paul Pétrineau, je t'aime, donc tu es libre. Alors effectivement, pour beaucoup, ça tient un petit peu du délire, mais laisser sa liberté à une personne, c'est l'aimer profondément, c'est participer à son évolution, parce qu'on se rencontre à un moment donné, et puis
nos vies vont évoluer. L'un va aller vers ce chemin, l'autre là. Mais si on aime la personne, peu importe les chemins qui vont être pris, on va réussir à être ensemble. Si on est tous les deux dans la même longueur d'onde, c'est-à-dire « je t'aime donc tu es libre », on va aller chacun vers ses passions et on va chacun se les partager parce qu'on va respecter la passion de l'autre et pourquoi pas s'y intéresser par amour pour l'autre. Et souvent, c'est quelque chose de très naturel de s'intéresser à ce que l'autre personne aime. Et ça permet aussi de s'ouvrir encore plus parce que c'est un horizon qu'on ne connaissait pas. C'est un horizon que nous n'allons pas toucher. On ne va pas naviguer vers cet horizon, mais en tout cas, on peut virtuellement, si je puis dire, s'y intéresser et le toucher via l'autre. Par exemple, dans un couple, vous allez avoir deux personnes qui vont s'adorer, vouloir vivre ensemble et faire des enfants, etc. Parce que toutes les deux, elles aiment le jardinage. Et puis voilà, elles font ça constamment, etc. Mais d'un coup, à un moment donné, l'un s'ouvre un peu plus et ressent qu'il a une passion pour le cinéma. Et de plus en plus, il a envie de regarder des films. Il aime toujours jardiner, bien sûr, mais il aime regarder des films et il s'y intéresse. Et il s'intéresse à la critique et aux réalisateurs et aux acteurs, etc. Et l'autre personne se dit, on n'a plus rien en commun. Nous, on adorait jardiner des heures et des heures ensemble et maintenant, il préfère regarder des films. Il aime toujours jardiner, ceci dit, mais effectivement, il a réduit le rythme. Alors l'autre personne se dit, bon bah moi je vais me trouver autre chose, tant pis. Alors que bon, le jardinage c'était sa passion à la base, bon. Et puis elle arrive au fur et à mesure finalement, puisque l'autre s'est ouvert à quelque chose, elle se détache et se dit que je peux m'ouvrir moi aussi à quelque chose. Donc elle va le faire. Et elle va choisir la cuisine. Voilà, on va dire que cette personne-là va se passionner pour la cuisine. Et puis elle va regarder des blogs, et puis elle va regarder des émissions à la télé, et puis elle va acheter des plats, des emporte-pièces, des farines spéciales, etc. Et puis chacun vont avoir finalement deux chemins complètement différents. Mais à la base, il y a une passion qui les réunit, c'est ce fameux jardinage. Donc, ce qui est bon, c'est de partager l'un avec l'autre. Moi, je te parle de cinéma, pendant que toi, tu fais un petit peu de cuisine, et puis je savoure tes plats pendant que tu peux nous faire un petit dessert, quelque chose pour savourer ensemble un film. Et puis demain, si tu veux, on fera du jardinage ensemble. Donc voilà, si on s'aime pour les valeurs de l'autre, les valeurs de base, c'est-à-dire son humour, sa générosité, etc. C'est pour ça qu'on aime une personne. C'est pas parce qu'à la base, elle était dans la même passion que nous, dans le jardinage. Sinon, c'est que c'était faux. C'est qu'on a juste voulu combler un manque par rapport à notre passion. C'est qu'on a juste eu besoin d'avoir un soutien dans notre passion. Donc là, on n'est pas dans un amour qui peut aller sur la durée et qui peut, si les chemins sont différents à un moment donné, rester solide. C'est un amour qu'on appelle amour par dépit. Alors, il y en a énormément à notre époque, énormément. Là, je rejoins un petit peu ce que dit Conrad quand il dit qu'effectivement, les choses sont en train de changer en ce moment. Et étrangement, ou pas d'ailleurs, tous les couples qui se sont mis ensemble, tous les gens qui se sont mis ensemble et ont formé un couple, par dépit comme ça, pour combler un manque, pour essayer d'avoir un enfant, pour mettre fin à la solitude. Tous ces couples-là sont en train de se défaire au fur et à mesure, ça s'étiole. C'est vrai que moi-même, j'ai reçu beaucoup de messages sur les couples qui se défont comme ça. C'est pas évident de dire que c'est normal. Parce qu'on va vers quelque chose, vers une ère de sincérité, vers une ère profonde, vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, où tout ce qui a été fait sans amour profond et véritable, sans sincérité réelle,
c'est en train de se défaire. Alors, c'est valable pour les couples, mais c'est valable pour plein de choses. Hein. Que ce soit même dans la création d'une entreprise. Quand on a fait quelque chose qui n'a pas été fait avec amour, ça s'étiole. Et ça meurt. On va vers une destruction. Mais ça, c'est le changement actuel. C'est dans l'air. C'est quelque chose qui est relatif à tous les humains. Donc, pareil, on y croit, on n'y croit pas, chacun sa spiritualité, mais en tout cas, on ne peut pas le renier. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Donc, si vous acceptez l'autre personne parce que vous l'aimez pour ce qu'elle est à la base, elle peut changer de chemin, vous pouvez changer de chemin, on restera toujours main dans la main, unis, parce qu'on s'aime profondément. Mais l'amour est aussi capable d'étouffer. Et là, il y a des personnes qui, dans le cas que je viens de citer, aiment le jardinage, l'autre va vers le cinéma, et là, on va rentrer dans une suggestion et donc une manipulation. On va dire que c'est pas bon de rester assis à regarder des films. On va dire que ça ne fait pas avancer. Que ça ne fait pas évoluer spirituellement, que de faire du jardinage c'est quand même meilleur pour la santé, etc. Sans prendre en compte le besoin que cette personne a de se diriger vers le cinéma. Sans prendre en compte la passion de l'autre, c'est-à-dire son ouverture, son amour pour quelque chose. On va toujours lui suggérer autre chose. Donc, pour le cinéma, par exemple, je pourrais prendre en compte les jeux vidéo. Une personne qui joue aux jeux vidéo, elle est tout de suite stigmatisée en tant que geek, en tant que personne qui ne quitte pas sa chaise et son ordinateur, qui est incapable de manger à table, qui va préférer mettre son assiette devant son ordinateur, etc. On n'est personne pour juger ça. Si un être a besoin de connaître les jeux vidéo, de les limite de les avaler, parce que c'est vrai que c'est une passion relativement dévorante et qui prend un temps certain, on n'a pas le droit de juger ça. Si la personne a besoin de ça, ce n'est pas forcément une drogue, c'est une passion. En général, si vous regardez les personnes qui jouent aux jeux vidéo, elles ne s'intéressent pas qu'au jeu en lui-même. Elles vont s'intéresser aux personnes qui ont créé le jeu. Elles vont s'intéresser aux personnes qui jouent à ce jeu-là, à l'histoire, à tout ce qui constitue le jeu, à ce qui tourne autour du jeu. Et puis, ça va être de ce jeu-là, et puis d'un autre, et encore d'un autre, et puis finalement, elle va créer une véritable... j'ai perdu le mot. comme une sorte de banque de données relative aux jeux vidéo. Et ça va être une personne vers qui on va se tourner quand on va avoir besoin d'informations là-dessus. Pareil pour quelqu'un qui est absolument fan de musique, quelqu'un qui est absolument fan de cinéma, quelqu'un qui est absolument fan de livres, on va se tourner vers ces personnes-là. Ça va devenir des personnes phares pour ces passions-là. Donc on ne peut pas juger leur passion. On ne peut pas dire il vaudrait mieux que tu fasses ci, il vaudrait mieux que tu fasses ça. Et puis alors il y en a, c'est beaucoup plus virulent. Qu'est-ce que tu fais là, si comme ça, machin, ceci, cela, tu devrais m'aider à faire ceci, hein. Bon. Chacun réagit comme il veut. Mais la moindre des choses, c'est quand même d'accepter la passion de l'autre. Et c'est vrai que s'il y a une vie de famille, de faire un compromis. Mais de laisser ce moment à l'autre, de laisser cette paix. On ne peut pas tout partager sur le chemin de vie. À un moment donné, on sépare. Rarement, c'est toujours la même passion qui anime les deux. Bon, ben ça, c'est formidable. Mais souvent, on prend des chemins différents. On s'intéresse à quelque chose d'autre. L'un va devenir beaucoup plus matériel, l'autre va devenir beaucoup plus spirituel. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Parce que tant qu'on aime l'autre, on va la laisser fréquenter les personnes qui sont dans ces passions-là. Et tant qu'on l'aime, et tant qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait, on n'a pas à redouter
une tromperie ou quoi que ce soit. Parce que souvent c'est ça, c'est ah bah ouais, mais du coup alors mon mari s'intéresse aux jeux vidéo, il y a une nana qui s'intéresse aux jeux vidéo, forcément ils vont coucher ensemble et forcément il va me quitter pour elle. Bon bah s'il n'est pas aussi spirituel que vous et dans un amour profond à la base, oui certainement ça va arriver. Mais si vous êtes dans un amour profond, avec une confiance et une liberté, vous n'avez pas à craindre cela. Parce que vous avez vous-même confiance en vous. Bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais ça en fait partie. Maintenant, si je prends l'exemple des fameux parents qui voulaient que leur fils soit avocat et leur fils a voulu être acteur. Pareil, pourquoi juger ça? Ils n'y pourront rien. C'est son destin de se mettre dans cette passion du théâtre, de la comédie, de devenir acteur. Ils peuvent le pousser sur le chemin de la loi et devenir avocat. Ce sera un être frustré qui n'est pas venu sur Terre pour vivre ça. Deux êtres se sont mis d'accord pour mettre un carcan autour de la vie d'un autre être, qui est leur fils, qui est quelqu'un qui s'aime viscéralement. Mais ce n'est pas aimer leur fils que de vouloir lui imposer sa vie. Comme je l'ai dit au début, ils l'ont fait à deux. C'est un code génétique, un patrimoine 50-50 qui a constitué cet enfant. Alors, souvent j'entends dire « Ah oui, mais quand même, il est dans la mer pendant 9 mois. » Oui, mais il n'est pas la mer. Il est dans le creux de la mer. Il est dans un utérus qui est relié à la sortie. Lui-même est relié au plein sata. Au plein sata. C'est un tissu de la mère qui a fusionné avec un tissu de l'enfant et qui a fait la poche reliée à l'enfant via au fœtus, via le cordon. Il n'est pas la mère, il est accroché à une paroi de la mère pour avoir tous les nutriments nécessaires pour se construire et être un être. Mais il n'est pas la mère. C'est un individu à part entière qui, une fois sorti de sa mère, a besoin d'elle pour être nourri encore, a besoin de son père pour être nourri aussi et protégé, puisqu'ensuite s'en vient le... Alors, à la préhistoire, on avait la chasse, etc. Et puis maintenant, bah, il faut tout ce qui est couche, nourriture, etc. Donc ça, c'est quand même les parents hein, qui vont au supermarché pour les enfants. C'est quand même les parents qui protègent leurs petits. C'est les parents qui les emmènent à l'école. C'est le devoir de parents de s'occuper de leur enfant. Tout comme une lionne va apprendre à son bébé à chasser pour se nourrir. Mais ensuite, le lion qu'elle a mis au monde va vivre sa propre vie, va avoir son propre territoire, va avoir sa propre famille, va devoir se battre lui-même pour faire valoir sa force, etc. Il sera dominant, il sera soumis, c'est son chemin de vie, mais il se battra pour ça. L'enfant, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on l'a éduqué, une fois qu'il est prêt à affronter la vie, on n'a pas à interférer là-dedans, c'est son chemin de vie. C'est son expérience sur Terre. Donc, même si on interfère par de la suggestion et donc de la manipulation par amour, on va frustrer cet adulte, parce qu'ensuite ça devient un adulte, on va le frustrer et on va en faire quelqu'un qui, très souvent, s'arrêtera là et vivra sa vie telle qu'on lui a indiqué, telle qu'il fallait la vivre. En principe, c'est raté, il va falloir se réincarner pour recommencer la même chose et se battre à nouveau. Bien sûr, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce n'est pas pour rien que quand même beaucoup de médiums disent la même chose, parce qu'on leur envoie exactement ces mêmes messages. Ces personnes-là, ce sont quand même des personnes à écouter, qui sont en communication avec l'au-delà. On leur apporte quelque chose
pour qu'il fasse évoluer les humains que nous sommes. Mais on n'écoute pas, on s'arrête pas à ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est quand même une évidence. Nous sommes tous là pour avoir notre liberté. Nous avons tous le droit à la liberté. Nous avons tous le droit de vivre ce que nous avons envie de vivre. On a cet amour qui est toujours au-dessus de nous, qui est merveilleux. L'amour l'amour en couple, l'amour parental, l'amour en amitié, c'est quelque chose de merveilleux. On ressent que c'est un soutien, c'est quelque chose qui nous nourrit. On a toujours des attentions charmantes, des cadeaux, des preuves pour dire « tu vois, je suis là quand ça va pas », etc. Et ça, c'est formidable. Mais parfois, cet amour peut peser énormément, surtout quand la personne est en difficulté. Quand la personne est en difficulté, tous ces amours-là s'inquiètent et ça fait trop. Parce que ça pèse énormément, parce que ça fait trop de suggestions de personnes différentes qui voient la vie sous tel angle. Et au lieu de faire un soutien qui puisse nous envoler, ça nous fait un brouhaha de suggestions qui nous fait prendre la conscience finalement de la manipulation inconsciente de ces personnes-là. Et c'est là où la personne peut avoir le déclic, se défaire de cet amour étouffant et aller de l'avant. Vivre sa vie, peu importe ce qu'il y a derrière. On a toujours peur de l'inconnu. Et ces personnes-là qui nous aiment profondément ont encore plus peur de l'inconnu que nous. Parce qu'on va être vraiment dans un moment difficile. Et on sait que ce chemin qui est devant nous est à vivre. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, mais on sait que c'est celui-là qu'on doit suivre. Donc on va tout mettre en œuvre pour le suivre. Et au-dessus, cet amour qui pèse et qui dit « moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça ». Là où tu vas, c'est pas spécialement bien, mieux vaut que tu ailles ici. Cette formation-là n'est pas faite pour toi. Fais plutôt cette formation-là. Attention, parce que ce que tu veux faire là, ça peut certainement ne pas t'épanouir et au contraire, tu vas t'enfoncer. Vous pouvez écouter les conseils de ceux qui vous aiment, mais restez vous-même avant tout. Posez-vous la question à vous-même, est-ce que réellement ce que l'on me conseille est bon pour moi? Est-ce que intérieurement c'est ce que je ressens? J'arrête pas de répéter que la solution est en vous, et c'est une évidence. La solution à vos problèmes est toujours en vous. La solution à votre frustration pour vous épanouir, elle est en vous. Donc, écouter les conseils est une bonne chose, mais interrogez-vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre? Est-ce que ça donnera corps à vos rêves? Est-ce que ça vous permettra d'être la personne que vous souhaitez voir se réaliser? Après, libre à vous de prendre la décision. On est souvent influencé par l'entourage. Par amour, on fait parfois énormément de compromis et même de sacrifices. Mais est-ce que c'est votre épanouissement? Parfois, on va faire un sacrifice en amour. Ça va être très mal perçu d'un certain côté. Ça peut être mal perçu par les parents ou mal perçu par les amis. Vous allez vous dire, effectivement, c'est un sacrifice, j'y perds beaucoup. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, derrière, vous allez vous épanouir dans autre chose. Ça se trouve, ce sacrifice va vous permettre de découvrir quelque chose qui va devenir pour vous énorme. Une passion, pourquoi pas, ou une personne que jamais vous n'auriez rencontrée dans ces cas-là. Donc, ce qu'il faut impérativement, c'est suivre votre instinct. Écoutez votre intuition. Tout est en vous. Il y a une petite voix qui vous parle et qui vous dit, c'est ça. Fais-toi confiance, écoute-toi, c'est ta vie, c'est ta liberté, écoute-toi avant tout. Et si vous laissez l'opportunité à cette petite voix de vous guider en fait, de vous laisser guider,
vous pourrez vous épanouir et vivre la vie que vous avez besoin. Vous pourrez stopper la manipulation. Avoir la suggestion, mais stopper la manipulation. Moi, personnellement, j'en ai fait les frais je ne sais combien de fois. Eh bien, j'ai décidé tout simplement de ne plus donner les détails. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, si je sens que c'est comme ça, si je sens que c'est ma voix, si je sens que quand je suis née, enfin, quand j'ai décidé de me réincarner, j'ai, comme tout le monde, choisi ce que je devais vivre pour évoluer. C'est cette fameuse petite voix, en fait, c'est ce fameux souvenir de réincarnation qui nous guide. Eh bien, moi, j'écoute cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit « Tu dois vivre ça pour évoluer. C'est comme ça que spirituellement tu vas t'aider. C'est comme ça que tu vas te guérir de choses du passé, que ce soit dans cette vie ou dans une ancienne. Il n'y a qu'en s'écoutant réellement qu'on arrive à évoluer. Donc moi, ma petite voix m'a dit, maintenant, ça suffit, basta. Ne donne plus que les détails. Une fois que quelque chose est fait, eh ben tu le dis. Les gens sont mis au pied du mur, et puis voilà, si tu as besoin de conseils, va voir une personne qui est dans ce cas-là, qui fait ça. Par exemple, quand j'ai créé ma petite boutique de l'Ange de Gaïa, j'en ai parlé à personne. Voilà. Parce que je savais que ça allait parler à droite, à gauche, que c'était pas la bonne solution, que le marché est saturé, etc. machin. Mais je savais que je devais le faire. Qu'avec ça, je devais faire des vidéos. Que je devais aider les gens par les encens, par les herbes, par ma voix, par les paroles, par ma propre avancée. Mais si j'en avais parlé, je ne vous dis même pas ce que ça aurait donné. Donc, j'ai mis au pied du mur. Voilà, j'ai fait une petite boutique et puis je fais des vidéos. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est la même chose. C'est ma vie, c'est mon destin, c'est mon chemin. J'ai beau aimer pleinement ceux qui m'entourent, avoir un amour profond, et que ce soit réciproque, je comprends l'inquiétude de mes proches, peu importe les décisions que je prends. Maintenant, j'accepte cette inquiétude, mais je me lève et je dis stop. C'est ma vie, c'est mon chemin, je ne veux pas être manipulée. Si je dois être manipulée, c'est par l'univers, parce que j'ai une leçon à apprendre. Donc, j'accepte autant l'abondance de l'univers que ces petits instants où il me met sur des chemins parfois pas forcément sympathiques, mais qui m'apprennent toujours quelque chose pour mon avancée ou pour l'avancée des autres. Parce que ça me permet de réfléchir sur un point essentiel et de vous le retransmettre ensuite. Voilà. Donc, toutes les vidéos que je fais, à chaque fois, il y a du vécu, hein. Mais comme je ne suis pas partisane du fait de raconter ma vie, je vous donne toujours des exemples différents pour que ce soit un peu plus proche de vos vies. Voilà. Donc, bon, la vidéo va toucher à sa fin, il est temps. À chaque fois, je vous prends un peu de temps. Mais encore une fois, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Donc, voilà. On peut aimer, adorer une personne, mais il ne faut pas l'étouffer de notre amour. Il faut la laisser libre, il faut la laisser vivre ce qu'elle a à vivre. On peut la conseiller, mais il ne faut pas rabâcher les conseils. Et il ne faut pas se sacrifier pour elle. Il faut continuer de vivre sa vie, mais ne pas prendre les problèmes des autres sur soi. On a déjà assez à faire avec cette vie, on ne va pas prendre ceux des autres, bien que on les aime, on les adore, on donnerait notre chemise parfois. Il faut savoir rester à sa place et laisser chacun
vivre son chemin, vivre son expérience. C'est sûr, quelqu'un a des problèmes d'argent, moi je serai la première à aider pourvu que la personne ait un plan pour s'en sortir, évidemment. Mais il ne faut pas non plus mettre sa vie en péril pour quelqu'un d'autre, même si on l'adore. Parce que ce n'est pas l'aider, c'est la conforter. Si on veut aider une personne, il y a toujours d'autres possibilités. Comme on dit, à ton ami, apprends-lui à pêcher. À ton ennemi, donne-lui du poisson. Effectivement, je préfère mille fois apprendre à quelqu'un à pêcher, même si ça c'est pas son truc et que ça l'emmerde clairement. Je préfère me prendre du temps et m'embêter à lui apprendre à pêcher plutôt que de lui acheter toujours du poisson, parce qu'on ne l'aide pas. Ce n'est pas aider une personne que de faire ça. Donc, il ne faut pas étouffer l'autre avec des conseils, avec des suggestions, etc. Si la personne, elle a décidé de faire acteur, c'est sa vie, c'est son problème. Ce qu'il faut, c'est la soutenir. Et puis, participer à ça. Qu'elle se sente soutenue. Qu'elle sente qu'on lui fasse confiance. Parce que quand on sent qu'on ne nous fait pas confiance, il y a ce soutien-là qu'on aurait aimé et qui n'est pas là. On ne demande pas grand-chose, on demande de la confiance. Que l'inquiétude soit mise en arrière-plan, parce que c'est sûr, moi-même pour mes enfants, je serais inquiète, évidemment. Il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est leur chemin de vie. On aime quelqu'un, on le laisse libre et on lui fait confiance. Voilà. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec tous ceux que vous aimez. J'espère sincèrement que vous saurez mettre votre inquiétude de côté, comprendre l'inquiétude de vos proches, vivre votre vie comme vous l'entendez et laisser vivre les autres tels qu'eux l'entendent. Il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Voilà.